je suis très 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 heureux d'être rentré enfin après 12 années dans mon pays. Et cela a été facilité par le chef de l'État, hein, son Excellence M. Alassane Ouattara, par le gouvernement de M. Patrick Hachi. Et tout ça coordonné par le ministre Kakabé, qui a fait plusieurs voyages vers l'Europe pour nous rencontrer afin de faciliter ce retour. Et vraiment, je tenais à dire merci à toutes ces personnalités. Et je suis là donc pour reprendre mon rôle d'artiste en Côte d'Ivoire et surtout faire en sorte que ce combat mené par tous les Ivoiriens aujourd'hui, avec à leur tête le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, et son ministère de la réconciliation, ce combat puisse aboutir, ce combat de réconciliation, de cohésion sociale. Moi, j'ai toujours mené ce combat avant la crise de 2010 en tant qu'artiste. Je voudrais d'un prime abord commencer par remercier tous ceux qui ont concouru de près ou de loin à réussir cette rencontre-là. Nous sommes dans notre pays. François Kinsey et moi, Gadji qui suivra après. Il y a des personnalités qui ont concouru à nous faire venir. Je vais commencer par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui depuis près de 7 à 8 mois a donné instruction au Premier ministre, M. Patrick Hachi, que j'ai eu l'honneur d'entendre quand il était de passage à Paris, qui a lui-même voulu nous rencontrer, ça n'a pas été possible en dernière minute, que je salue d'ici, et qui a donné instruction à son collaborateur, le ministre Kakabé, de nous faire venir dans le cadre de la réconciliation qu'il a initiée. Et depuis près de 7 à 8 mois, le ministre Kakabé, bientôt un an, est venu à Paris 4, 5, 6 fois pour nous rencontrer, nous convaincre de l'initiation qu'a pris le chef de l'État et que toutes les dispositions ont été prises pour qu'on soit en Côte d'Ivoire et de ne pas rater cette occasion. Je pense que nous avons sauté sur l'occasion pour enfin entrer dans ce processus de réconciliation qu'a initié le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour nous faire venir. Et quand nous sommes arrivés, déjà les instructions ont été données pour faciliter notre retour aussi. Les instructions ont été données pour que nous soyons rassurés de notre sécurité ici. Et le directeur général de la police nous l'a confirmé, des instructions qu'il a reçues du chef de l'État, qui sont à notre disposition de partout où nous allons, qui sera toujours là. Tous les problèmes, il n'a même son numéro. Que je voulais saluer ici, le général Kouyaté. Donc je voulais saluer tout ce parterre-là. Et à côté de cela même, le président Laurent Gbagbo même qui a appelé le ministre Kakabé pour suivre ce dossier-là en amenant de son porte-parole Katina pour nous convaincre de rentrer dans ce processus initié par le président Ouattara. Je pense que tout a été fait pour que nous soyons là. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de nous retrouver dans notre pays. Nous sommes heureux 12 années après, de retrouver notre pays grâce à ce processus de paix et de réconciliation initié par le chef d'État que nous saluons et que nous disons merci. Pour se battre, il faut être à deux. Pour faire la paix, il faut être aussi à deux. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait désormais le choix de la paix. Il a fait le choix du rassemblement des filles et des fils de ce pays. Et il a dégagé sa volonté de conduire son peuple à la paix. Chaque fois qu'il a tendu la main, tous ceux qui ont saisi sa main tendue, ceux qui étaient à l'extérieur, pour une raison ou pour une autre, ils sont rentrés dans leur pays sans être inquiétés. La sécurité de tous est garantie. Aujourd'hui, c'est encore la preuve pour tous ceux qui hésitent, pour tous ceux qui n'y croient pas. C'est la preuve
la bonne foi et la bonne volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il n'y a plus de temps à perdre. L'heure est au rassemblement, l'heure est au travail. La Côte d'Ivoire avance. Elle avance avec le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a mis les Ivoiriens au travail, et chacun doit le comprendre. Dans la paix, dans la concorde, dans la justice, dans la paix, dans la stabilité surtout. Donc je leur souhaite bon retour au pays.